Samuel Touya, 96 kilos, un brin de jeune homme qui, du haut de son 1m92, affiche beaucoup de modestie. Jusqu'à la semaine dernière, il était inscrit en seconde au lycée de Wallis et Futuna et faisait partie de la sélection cadet de Wallis de volleyball. Et aujourd'hui, non sans mal, il quitte le cercle familial et sa petite île pour une grande aventure en France au sein de la sélection nationale cadet de volleyball. Auparavant, il devra faire un stage et rencontrer le sélectionneur national. Mais a priori, il ne devrait pas y avoir de grains de sable dans les rouages. Je suis content d'aller à Bordeaux pour mesurer aux sélectionneurs de France et leur montrer ce que peuvent faire les jeunes de Wallis. Le conseiller technique n'a jamais vu un jeune en 15 ans d'entraîner en pro. Il a entraîné la sélection de France féminine. Il n'a jamais vu un jeune taper aussi fort. Donc, et il saute très haut, donc il saute en détente. Donc il est à 3m40. Donc il est déjà plus haut par rapport à tous ceux de la métropole qui ont le même âge que lui. Donc, et c'est ça qui est important. Donc il a un potentiel pour aller loin. Donc maintenant, la balle est dans son camp. C'est à lui maintenant de prouver qu'il est capable. Et puis, que c'est pas pour rien qu'on a mis notre confiance en lui, quoi. Première escale pour Samuel, Bordeaux, dans quelques jours, où il doit décrocher son ticket de sélectionné du groupe France pour un tournoi en Belgique. Et après Montpellier, au centre de formation, là où est concentrée la fine fleur du volleyball français, Samuel pourra alors poursuivre son cursus scolaire tout en pratiquant son sport favori, avec cette fois-ci un meilleur encadrement et de meilleures structures pour réussir.